Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouveau vlog. On va passer la journée avec Cléa. On va être productive. On va parler un peu de nos futurs projets et nos projets qui sont en cours. Je vous spoil, mais je pense que le vlog sortira justement après la sortie de son projet. Cléa donc a une marque qui s'appelle Douce Éternelle. Elle a créé sa marque toute seule. Donc toute seule, toute seule. Elle coud les vêtements. Donc elle est couturière, elle est extrêmement passionnée par ça. Et donc là, elle va enfin pouvoir ouvrir son site internet et vendre les créations qu'elle a faites. Et surtout, ce que j'ai tout... Enfin, franchement, je suis grave contente parce que c'est vraiment genre une idée. Elle a fait des cotons démaquillants, des chouchous un peu en satin. Vous savez, vraiment des choses super pratiques, hyper abordables et fait main. Donc c'est pas passé par je sais pas où, c'est vraiment passé dans les mains de Cléa, elle a tout fait toute seule. Donc elle va enfin pouvoir ouvrir son site internet. Et évidemment ça prend du temps, énormément de temps, il y a énormément de choses à faire. Du coup aujourd'hui on va se voir et elle veut me montrer un peu l'évolution de son site. Et avoir aussi un regard extérieur. Voilà, parce que comme elle passe énormément de temps dessus tous les jours, c'est un peu normal. Donc du coup j'ai trop hâte de voir ça, je pense que je vais pouvoir vous filmer quelques trucs. Je vous ai parlé un peu l'étape du maquillage. Mais voilà, je suis en train de me préparer. Je sais pas à quelle heure je la vois parce qu'elle est encore occupée. On va manger un bout et du coup, on va travailler sur son site. Et moi, à côté, je travaillerai sur mes vidéos en même temps pour avancer et pour lui montrer aussi ce que j'ai fait dernièrement. Quoi, on va se faire une petite réunion entre girls sur les avancées de nos projets. Franchement, je suis grave contente parce que Cléa, genre, elle est tellement passionnée. Et en plus, c'est elle qui a fait la robe d'anniversaire. Donc, franchement, c'est trop cool. Juste avant, franchement, j'ai été hyper productive récemment. J'ai grave avancé sur le montage de mes vidéos. Là, j'ai programmé 3 vidéos. Il y en a une prochaine qui va être programmée. Vraiment, j'ai trop hâte que vous puissiez voir parce que voilà, je suis grave contente. J'espère que ça vous plaira. C'est bon, je suis prête. Je me suis habillée. Je vous montre ma tenue. Juste, bah, j'ai mis du coup mes petites bagues. Elles sont grave belles. Et j'ai mis des petites boucles d'oreilles parce que j'en ai mis des plus grosses, mais elles tiennent plus sur mes oreilles. Enfin, elles sont vraiment trop lourdes. Non, mais regardez donc ma tenue, vraiment trop cute, je trouve. Elle ressort mieux en vrai qu'en caméra, mais trop mims. Et regardez genre le sac. Comme petit sac, je trouve ça trop cute. Bonjour madame! Salut! Ça va? Je suis avec. Ok, donc en fait je leur ai expliqué du coup ton projet actuel, mais je dis j'allais sortir la vidéo après que ton ah, tu l'as déjà expliqué. Ouais. Ok. Mais que bah si tu veux tu pourras expliquer après plus en détail, mais tout que je sortirai la vidéo après que ton site soit ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Oui oui. Pour pas spoiler. Oui. Tu vois. Parfait pour travailler. Du coup, parce que je connais pas. Ouais. Hein. D'accord. Bah oui. Et au final, non. En fait, j'ai même pas demandé. Tu vois, j'ai pris des formations et des réunions plutôt. Mais je sais que comme toi, t'as venu du jamais. Du coup on attend notre couple là et je filme après pour garder de la batterie. Mais en tout cas c'est très mignon. On va travailler un peu avec Cléa. Attends mais je vais mettre une attention. Je te laisse. Parfait, parfait, parfait. C'est très bien. Parfait. Ah. Bah, moi la newsletter franchement je l'utilise pas mais c'est hyper important. J'ai mis genre nos produits à offrir, tu vois, c'est des trucs faciles à offrir. J'ai mis plutôt une photo où on sourit et tout ça. Ouais, j'adore, c'est un peu effet j'ai voulu faire effet nacré. Bah c'est parfait. Bon, ça va, j'adore. Moi c'est le deuxième que j'ai. Merci. Merci beaucoup. Oui ça vaut quand même. Merci. Ouais. J'ai dessiné en rouge dessus. Elle est trop belle. Trop bien.
surtout elles sont magnifiques. Ça descend, etc. L'huile essentielle. Et après, quand tu l'éteins, t'attends un petit peu que ça se repose. Parce que sinon, tu vas te brûler. Oui. Ah, tu dis de nous pour t'aider ? Ouais. Non, mais c'est bien. C'est mieux. Non, c'est bien. Nous, ça fait plus professionnel, mais du coup, ouais. Genre, j'aime bien. C'est plus. Je sais pas. Ils prennent ça plus au sérieux. Ouais, tu vois, ouais, je pense que je me sais. Aider les pareils pour voir. Ah, ouais, mais t'as bien fait vraiment. Oui, aider les aussi le temps que je peux passer jusqu'à. Contact. Merci beaucoup. J'imagine, mais en vrai c'est tellement une fierté moi. Je crois que je peux être fière en fait. J'ai des lunettes plus jeunes. C'était quand d'ailleurs ça? C'était début septembre, novembre, je sais plus, ça passe tellement longtemps. Ah oui, je sais plus. Mais oui, c'est vrai, je suis con, Marseille, pour tout le monde. Du prix de l'article, quoi, pour le prix? Non, on peut le faire rien, mais je regarde. Moi ça fait une heure, je change. Ouais. Après ça change, mais. Express. Vraiment, je filme tout et rien n'importe quoi. L'anniversaire du lot, et là, sur le montage de ma journée à Marseille. On avance un peu là sur son site et mes vidéos, c'est un peu long. Ouais. C'est un peu beaucoup. Et aussi je fais un petit vlog sur TikTok, j'aime bien aussi. Voilà. Le vlog d'anniversaire d'Ilo, franchement je l'ai bientôt terminé. Je vais le terminer. Et là je fais le vlog quand j'étais à Marseille, quand j'étais modèle. J'ai envie d'un carton à peu près de cette taille là. Donc on va mesurer avec l'ordinateur, c'est très pratique. Donc là on a 15 cm et là on est à 21 à peu près, c'est nickel. Maintenant il ne faut plus que trouver les cartons. Ça va pas être joyeux cette année.